Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live sur la chaîne Barbatronic. Bonsoir, bienvenue ici sur ce nouveau live robotique. Pour ce 22e live robotique, voilà, ça commence à en faire. Alors j'ai prévenu très tardivement que, oula, est-ce que j'ai du son? Oui, j'ai du son. Très tardivement que j'allais streamer ce soir pour une très bonne raison, c'est que j'ai été malade là ces 5 derniers jours et du coup j'étais pas sûr d'être en état pour juste assurer le live ce soir. Donc ça c'était la première chose, et la deuxième chose c'est que vous allez peut-être pouvoir l'entendre, mais là je suis en plein dans la tempête là qui était annoncée ce soir sur les Hauts-de-France. Donc là on est en plein dedans et j'ai mon pas ce soir Tulut. J'ai du coup mon réseau qui saute dans tous les sens, fermé. Oui, alors attendez, je coupe Discord. Voilà, merci. Donc c'est un petit peu le bazar du coup, voilà. Salut Julien. Donc je sais pas ce que va donner ce live, je pense que ce sera un live relativement court. Parce que du coup je sais pas combien de temps ma connexion va tenir correctement, donc si vous voyez que ça saute trop, voilà, vous me le dites, moi je couperai, ça sert à rien de faire un truc si c'est pas un minimum qualitatif. Ça c'est la première chose. Alors, ensuite, pourquoi ça sera très court, c'est parce qu'en fait la semaine dernière j'avais dit que le robot de la Maker Fight était voilà, en bonne voie d'être terminé, mais j'avais pas plus grand chose véritablement à vous montrer. Donc on avait passé sur la coupe, qu'on avait fait pas mal de choses sur la Coupe de France la semaine dernière, et que j'avais dit que il fallait que je produise des pièces cette semaine pour pouvoir les assembler en live ce soir. Sauf que ayant été malade, j'ai rien produit du tout. Voilà. Donc là je m'en remets encore avec une petite tisane. Voilà, excusez-moi. J'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Donc moi ce que je vous propose, c'est quand même de revoir quand même un truc qui est arrivé cette semaine, que moi j'avais pas du tout vu venir, que j'ai déjà un peu revu sur le Discord de la coupe. Sur d'autres réseaux avec d'autres personnes, c'est fusion de Eagle, donc le logiciel d'EDA de création de cartes électroniques, la fusion entre ce logiciel là et le logiciel Fusion 360 de Autodesk. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, Autodesk donc a racheté la licence, enfin a racheté le logiciel Eagle il y a quelques années. J'ai pas vérifié véritablement quand est-ce que ça a été racheté. Tiens, allons voir sur Wikipédia. Eagle Software. Tiens, ça serait intéressant de. Voilà. Eagle, logiciel. Donc développé par Catsoft, on est d'accord, poète, écran QT, site web Autodesk. Tiens, ils ne disent pas quand est-ce que ça a été racheté. Bon, ok, soit. Donc, néanmoins, ça a été racheté Fusion 360 est apparu un petit peu en même temps ou un petit peu après, je pense. Logiciel de CAO que vous connaissez si jamais vous me suivez sur ma chaîne et puis sur les différents réseaux. Très à la mode et puis très utilisé dans les milieux, parce que notamment pour sa licence gratuite pour les gens qui débutent, les makers. Ce qui s'est passé, c'est que alors, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant ou il n'y a pas très longtemps, lors de la dernière mise à jour. Néanmoins, les équipes d'Autodesk qu'on avait commencé à insuffler dans Eagle depuis quelques mois déjà, des nouvelles mises à jour, des choses en plus, voilà, un peu redonner du souffle à ce logiciel qui n'avait pas vraiment évolué en fait depuis super longtemps. Pour la blague, moi j'avais étudié le logiciel quand j'étais en DUT, donc
2008-2009, quelque chose comme ça. Voilà. Et quand j'ai repris le logiciel pour la première fois en 2014, il n'avait pas quasiment bougé. Et quand je l'ai repris là, il y a 2 ans, c'est pareil, il n'avait pas bougé, pour ainsi dire. Donc là, il remettait un petit peu de neuf dedans. Je trouvais ça vachement bien. Mais je me rendais compte des limites un petit peu. Et on se rendait tous compte des limites, c'est que. Ils n'étaient pas en train de réécrire un nouveau logiciel ou de sortir une nouvelle version du logiciel véritablement. Ils étaient en train de mettre des sparadraps un peu partout en disant, regardez, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça, et voyez un peu ce que ça donne. Du coup, très intéressant en soi, hein, pour le développement du logiciel. Mais un peu fouillis. Et il y avait une espèce de profusion où à la fin l'interface voulait. Honnêtement, sur la dernière version, l'interface ne veut plus rien dire. Je le trouve, hein, beaucoup trop chargé. Je pense que je vais la relancer pour vous montrer. Voilà. Du moment qu'il porte l'éditeur de sketch de Fusion dans la partie Eagle. Ah bah on va y revenir là-dessus, parce que du coup, ouais, c'est un peu le bazar. Ah oui, tiens, tenez. Oh là là, mais j'avais désactivé les sons là. Do you also know? Oh, Windows quoi. Ah ouais, alors attendez, hein. Alors, voilà. Alors, et sachez que je me suis battu cet après-midi pour un truc très con sous Windows. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider, tiens, sur le. Je sais pas s'il y a du monde sur le chat, ou même plus tard dans les commentaires, ou j'en sais rien, aidez-moi, quoi. Un raccourci clavier pour augmenter ou diminuer le son sous Windows. C'est-à-dire que si t'as pas un clavier spécifique, un clavier multimédia, il n'y a pas un putain de raccourci intégré dans Windows pour faire ça. Ça me rend complètement fou. Voilà, je trouve ça aberrant. J'avais lu le F7, F8, F9, mais en fait ça ne marche pas du tout. En tout cas, pas sous Windows 10, pas sous ma version de Windows, je ne comprends pas. Donc, il y a le coup du FN machin, mais en fait, quand t'as pas de clavier avec FN, parce que ça existe, des claviers sans FN, voilà, sont des claviers de gauche. Voilà. et ben ça marche pas, voilà. Donc du coup j'étais un petit peu embêté, et ça m'embête d'autant plus que j'ai essayé de faire la même chose aussi, de monter ou descendre le son d'une cellule sur OBS, et j'ai pas réussi parce que voilà, je vous raconte ma vie, mais hop, voilà, regardez, j'ai ressorti un vieux clavier MIDI que j'avais, ce qui me permet. En appuyant sur les touches, j'ai un peu trifouillé le truc pour que le MIDI lance des raccourcis clavier. Je peux hop, activer ma webcam, hop, activer mon ordinateur. Voilà, vous le voyez pas, hop, activer mon atelier et hop, activer mes trois. Et ça, c'est quand même vachement bien. Alors, tu peux mapper des touches avec auto-hotkey. Alors attention, parce que moi, ça fait une éternité que je suis pas revenu sous Windows et que j'étais sous Mac. Alors auto-hotkey, je trouve ça, j'imagine là, auto-hotkey. Ah oui, mais alors du coup, c'est un logiciel en plus. Free open source. Non mais voilà, non mais du coup, ok, d'accord, ok, ça marche. Donc il faut que je regarde. En fait, il n'y a pas de solution. Il faut que j'installe un logiciel supplémentaire pour avoir un raccourci clavier pour faire un truc aussi basique que monter ou descendre le son. Je trouve ça assez fou quand même, non? Parce que je me suis dit peut-être que c'était dans les comment, dans les raccourcis de compatibilité ou de pour que les gens atteints de certains troubles puissent utiliser toutes les fonctionnalités de leur ordinateur avec un clavier. Voilà, et ben même là-dedans, putain, j'ai pas trouvé quoi. Bon, ok, du coup, va falloir que je m'utilise un énième logiciel. Pff, voilà, ça me rend fou. Bref, c'est pas grave, passons. C'est le vieux rabat-joie de Mac qui gueule, parce que potentiellement sous Mac, je sais pas si c'était possible. En fait, sous Mac, tous les claviers ont un monté, descendre le son. Donc je me suis même pas posé la question. Voilà. Salut Historica 97. Oh, première fois sur le chat. Ton nom ne me dit rien. Écoute, bienvenue. Bienvenue. Alors, je disais, avant de me lancer dans une verve infinie contre Microsoft. Ah, Synapse, salut Synapse, Synapse me suit, merci beaucoup pour ce suivi. Et tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de musique, parce qu'on parle de son, tant qu'à faire. Allez hop, un petit peu de musique, ça va nous faire du bien.
Alors, salut Mike, Mike Saint-Désuet, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent canadien, québécois, oh, je sais pas, je pense que je vais, il y a des gens qui vont être meurtris quand je vais dire ça. Bref, donc je disais Eagle, là je suis au 9.5.1 qui n'est pas la dernière version d'Eagle, et puis malheureusement de toute façon il n'y aura pas beaucoup d'autres versions d'Eagle, je sais plus à combien on est sous Eagle de version, bref c'était un petit peu passé, c'est un peu le bordel, et là honnêtement c'est le bordel, ça c'est la barre des tâches qui était un peu historique, même s'ils ont changé les icônes, ça a été un petit peu modifié, maintenant il y a des trucs Simulate etc. qui se sont foutus là. La barre là, ici, il y a trop de trucs. Et même moi, je me perds en fait déjà dedans. Et ensuite, ils ont rajouté un truc qui était vachement cool, qui est la session Inspector avec les pages, les Selection Filter et le Design Manager qui est vachement bien, mais qui prend beaucoup de place avec les menus en haut, en bas, on est encadré, c'est un peu le bordel. Vive KiCad ou Altium. Ah non, hein. Attendez. Attendez, je vais pas changer 15 000 fois de logiciel LEDA, hein. Le fameux mec Eagle Great Again. Alors là, on est encore sur l'ancienne version, tu vois. Et l'ancienne version, moi, je la critique énormément. Je trouvais qu'elle, voilà, ils avaient rajouté des choses et c'était bien, mais tu sentais que c'était des, voilà, des sparadraps. Et donc, on passe sur la board. Et alors là, c'est parce que je suis sur un grand écran, mais dès qu'on passe sur un petit écran, genre un 15 pouces, sur un ordinateur portable, putain, ça devient trop petit. C'est trop petit, c'est illisible, tu comprends rien, il y a plein de trucs dans tous les sens, surtout quand t'as l'inspecteur, le bronzer, enfin, bref, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette interface, en plus l'ensemble des trucs ici qui ne s'affichent pas, du coup, quand on a un petit écran, parce que, du coup, ces éléments-là, en fait, vont en haut, ça ne va pas. Voilà, bref. En soi, du coup, quand on m'a dit, hey, je vais ouvrir Fusion, maintenant tu peux faire des nouveaux trucs avec Fusion, Eagle et dedans de ça, j'ai fait, ouh, alors là, j'ai un petit peu peur, on devrait ouvrir une école virtuelle juste pour les licences étudiants. ça serait rigolo, ça. Si, Altium, il coûte un bras. Il coûte un bras, enfin, tant que Fusion arrive. Mais KiCad, c'est vrai, c'est bien. C'est bien, mais le truc, c'est que, voilà, une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment très content de l'arrivée de Eagle dans Fusion, c'est que, bon, déjà, j'utilise Fusion, et le fait que Eagle et Fusion, il y ait une passerelle entre les deux, c'était intéressant. Mais pour ceux qui sont pas familiers avec ça, la passerelle, c'était de se dire, soit je fais un design dans Fusion, et je crée un PCB avec l'outil Create, qui a changé un peu, mais qui est là, Create PCB, et ensuite je le lis à un Design Eagle en faisant synchronisation de Fusion. Ah oui, alors pourquoi? Comment ça, je suis pas identifié? Je me suis identifié là. Ah ouais, mais alors en fait, je pense qu'ils ont tout est pété, quoi. Ok, merci. Oh, c'est peut-être mon réseau qui merdouille. Ah maintenant, hein. Bon, on verra bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passait qu'on faisait la synchro avec ça, qui prenait des plombes, qui n'était pas direct, qui fonctionnait en soi, mais voilà, encore une fois, sparadrap. Et là, quand même, c'est pas trop mal. Alors, on va faire une petite review de ce que j'ai vu. J'aurais voulu faire une vidéo tournée, montée, comme ce que je faisais avant, mais honnêtement, j'ai plus le temps, et donc du coup, on va la revoir en live. Et puis ça sera très bien, en fait, les gens s'ils veulent revoir ça, bah, ils pourront regarder la review du live, c'est une review d'une des premières versions d'intégration d'Eagle dans Fusion. Alors, comment ça se passe maintenant? Alors déjà, un truc qui est cool, je sais pas si je peux faire ça, new. Voilà, moi j'ai créé un truc électronique où j'ai commencé à foutre de la merde dedans pour faire des essais. Bon, on n'ira pas voir ça, parce qu'il faut vraiment que je range du coup maintenant, parce que c'est bordel. Voilà, moi ce qui m'avait surpris, c'était ça.
Il y avait le new design, ça on le connaît, c'est pour créer une nouvelle pièce, un nouvel assemblage, aucun souci. Et là, boum, je vois popper deux trucs, new electronic design et new electronic library. Et bien le bonsoir, Matt P. Ça parle d'Eagle. Bah ouais, en fait, je savais pas quoi faire, comme je disais au tout début, donc on va parler un peu d'Eagle, parce que je vais en avoir besoin là bientôt, et il faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne dans Fusion. Make Eagle great again. Et je vais vous faire des t-shirts, les gars, hein, c'est sûr. C'est sûr. Mais, ah, comme je disais tout à l'heure, je trouvais pas que l'ancien Eagle était quand même mieux, quoi. Alors, regardons ça. En fait, là où ils ont merdé, je pense, voilà, je le dis avant de, voilà, c'est la manière de procéder. En fait, c'est pas tant le fait qu'il l'a intégré à Fusion, ça, à la limite, je pense que tout le monde s'en cogne, et c'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs, je trouve. C'est toujours un problème de communication. C'est-à-dire que si tu ne suis pas le blog de Autodesk, tu ne le sais pas et tu te le manges dans les dents. Sauf que t'es un outil pro, donc tu peux pas avoir l'info qui pop comme ça et du jour au lendemain, tes trucs qui marchent plus ou mal, en fait. Parce que c'est un outil qui est censé être pro. Et là, cette communication-là et ce changement-là, il n'était pas pro, quoi. C'est un peu ça le problème. Go pour des t-shirts. Limite de la version gratuite d'Eagle, c'est quoi? Eh ben alors du coup, maintenant, je ne sais plus. Parce que avant, c'était double face. Je crois que... Je sais plus si c'était en surface. C'était des cartes de 10 par 10 de mémoire. 10 cm par 10 cm. Après, tu pouvais... Nombre de composants illimité, ce que tu voulais. Enfin, il n'y avait rien d'autre comme limitation que ça, en fait. Donc c'était hyper bien parce que... Et ça a toujours été à peu près ça. Parce que tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec une licence étudiant ou makers de Fusion, eh ben, tu as Eagle complet, en fait, et gratuitement, en gros. Donc ça, c'est... Enfin, pour le coup, je sais pas trop quoi dire. C'est quand même génial, quoi, pour le coup. En vrai, c'est cool le bien des outils, mais faut faire gaffe à pas casser les trucs, voilà. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et il y a une licence gratuite pour l'éducation, tout à fait, pour les makers, pour les hobbyistes, etc., pour les entreprises qui font moins de 5000 euros de chiffre d'affaires sur un projet. Et en vrai, la licence est pas chère pour Fusion. Une licence, c'est 300-400 euros par an. Par rapport à d'autres outils pro, en vrai, cherchez bien, moi j'ai pas encore réussi à trouver moins cher. Attention, voilà, bien sûr, il y a LibreCAD. FreeCAD. J'arrive même plus à me souvenir de son nom. Mais on parle pas de la même chose, quoi. Voilà. Alors, vive FreeCAD. Alors, il y a deux trucs du coup, il y a Electronic Design, Electronic Library. Donc Electronic Library, on le met de côté, peut-être qu'on le regardera tout à l'heure. Il faut que je recomprenne un peu comment ça fonctionne, parce que les librairies, ça a toujours été un truc un peu chelou hein, dans Eagle. Et je crois que même ça, ils ont pas réussi à le changer. Par contre, New Electronic Design, on arrive sur ce menu là, qui est un peu particulier, donc qui a un Electronic Design, un ED. Ce truc là, en fait, ça va être votre projet, en fait. C'est un peu l'ancien projet de d'Eagle. Alors, ce que je pense qui va se passer dans le futur, c'est qu'on pourra créer plusieurs schématiques et plusieurs PCB. Là, alors à moins que ça ait changé, je crois qu'on peut créer qu'un seul schématique et un seul PCB. Bon, on va en créer un déjà. Ouais, du coup c'est grisé, je peux en créer qu'un seul. Bon, soit. Et donc je me retrouve dans Eagle, en fait, avec tous les trucs que je peux masquer comme d'habitude, en fait. Enfin, je me retrouve à la fois dans, en fait, c'est je me retrouve dans Eagle et dans Fusion, quoi. Je me retrouve avec les menus à la Fusion, avec le bandeau en haut, les menus rabattables sur les côtés, qui ressemblent à du Fusion, quoi, mais avec les éléments de Eagle. Donc j'ai le design manager, j'ai l'inspecteur, j'ai les sélections, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que est-ce que je pouvais le faire dans Eagle avant? Non, je pouvais pas rabattre le menu, par exemple. Voilà, ça c'était chiant, ça. Donc là, le fait de pouvoir le masquer, démasquer, pour le coup, pour les petits écrans, c'est quand même une très grosse chose. Ah oui, juste un truc avant, parce que alors par contre, ouais, on parle de Katia, moi je fais, oh là là.
Un truc qu'on pouvait pas faire avant, c'était que Fusion tournait dans une seule fenêtre et on pouvait pas sortir les onglets. Et là, attention, attention les yeux. Wouhou ! On peut sortir de fenêtre Fusion. Voilà, et ça, vous allez me dire, c'est de la merde. Mais en fait, non, si, c'est quand même vachement bien, parce qu'avant, tu pouvais pas le faire. Voilà. Je pense que ça vient de la techno avec laquelle ils ont ils codent Fusion, en fait, tout simplement. Alors, comment ça marche ? Globalement, on va retrouver exactement les mêmes menus que dans Eagle, les mêmes boutons que dans Eagle, mais foutus un petit peu différemment. Ouais, musique qui gueule, là. Musique plus son plus vent. Attends, les gars, c'est... Wouhou ! Ensuite, on retrouve, ça c'est vraiment du Fusion quoi, je veux dire, vous pouvez basculer de bandeau en bandeau avec le menu de dessus, c'est vachement bien foutu, ça évite d'avoir plein d'onglets et plein de trucs comme ça qu'on avait avant. Voilà, comparer ça et puis ça, je veux dire en termes de clarté, bien sûr que ça marche beaucoup mieux quoi. On retrouve exactement, enfin on s'y retrouve quoi, je veux dire, sans regarder, je sais que ça c'est la grille, ça va me permettre de me donner les informations, ça c'est les layers, voilà, donc je sais, voilà, je me retrouve sur des trucs connus quoi. Bon ça, franchement honnêtement, ils étaient pas obligés. On a le add part pour rajouter des pièces, on a pour le déplacer, pour le mirror, etc. On a cette fonctionnalité de dire je l'enlève de ma toolbar si je le veux pas, et je le réactive si je le veux, tout est disponible et tout est affichable ou masquable, mais en tout cas je sais que c'est là, donc c'est quand même vachement bien, surtout pour ici, voilà, t'as pas l'habitude de faire des bus, bah tu le masques, si t'as l'habitude de faire des bus, boum, tu le remontes, si t'as un petit écran, et bah tu affiches pas tous les trucs et tu sélectionnes celui que tu veux, c'est vachement bien, c'est du Fusion tout ça, donc aucun problème. Enfin, moi je n'utilise jamais le Simulate, ça c'est un truc qui va dégager assez rapidement par exemple. Il risque d'y avoir 2-3 trucs qui vont remonter. Bref, c'est pas mal. Voilà. Donc tout de suite on va se lancer dans un truc, on va aller chercher un document, donc une pièce. Donc j'ai déjà fait des imports de librairie avec le Library Manager qui fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est, pour le coup, voilà, j'ai pas grand chose à changer. On retrouve on va peut-être aller chercher un truc en 3D tant qu'à faire. Allez boum, comme ça on aura du 3D. Allez, on va se mettre. On va faire une carte comme ça, là, juste avec 4 cerveaux. Alors, petit truc quand même, parce que je l'ai très peu utilisé, c'est qu'ils ont changé, ils ont mis uniquement, ils ont recréé des nouvelles librairies en fait, avec des trucs standards. En fait, avant on avait plein de librairies, bah, si vous voulez voir les librairies, quand on ouvrait Eagle la première fois, on avait Available, attention, voilà, on avait tout ça qui est activé, et alors après, des merdes zizige pour t'y reconnaître dedans, si tu sais pas ce que tu cherches, t'es nouveau dans le game, laisse tomber, hein. C'est mort, tu vas où tu veux pour essayer d'ouvrir un composant, l'intérêt dedans, tu veux une résistance, tu fais, ah bah super, voilà, ah bah merci, voilà comment on m'accueille, quoi. Voilà, donc c'était un peu l'agression quoi. Là, je trouve que déjà c'est voilà, un peu plus intéressant, et en plus, ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont fait l'effort, c'est normal, mais de faire un 3D pour chaque composant qu'ils ont proposé de base, en fait, dans l'interface. Merci, j'ai envie de dire. Voilà, t'as pas à te les recréer ou à les rechercher dans une librairie un peu chelou. Ils sont là, voilà. Un capacitor, boum, boum, il est là. T'as le 3D. Merci. Enfin, je veux dire, pour 90% des gens, des makers qui vont faire des trucs standard, bah là, il y a énormément de choses. Donc, par exemple, ce qu'on cherche maintenant, c'est d'avoir les Power Symbols. Les Power Symbols, ils sont là. Voilà. Est-ce qu'ils ont changé ? Ouais, ils ont pas trop changé, hein, j'ai l'impression. Le 5 volts, non, ça n'a pas changé. Voilà. Donc moi, je vais mettre un 5 volts, ok. Et ensuite, je vais aller me chercher une masse. Une masse. Tu vois, la masse, par contre, elle a... Bon, allez, hop. Voilà. Et puis, bah, on va se câbler ça. Tranquillou, pour faire un petit essai. Voilà, on va aller chercher une LED aussi, tiens. Alors, optoélectrique. Tiens, j'ai pas été regarder ce qu'ils avaient foutu. LED. Ah oui, alors je crois que il y a une petite nouveauté. Alors mettons, on va prendre la LED RED.
Je me demande si un clic droit dessus. On peut changer le package. Ah ouais. C'est-à-dire que ça, c'est votre LED, mais vous pouvez changer le package si vous voulez, sans avoir à changer de composant. Putain, c'est vachement bien aussi ça. Ok. Allez, on va chercher une résistance maintenant. Par contre, vous avez que des LED. J'aurais bien aimé une LED CMS quand même. Ah, alors, est-ce qu'ils ont changé un petit peu le... Ça, c'est un peu con ça. Il n'y a pas les LED CMS. Fichtre. Je n'ose le croire. Diode. Enfin, des diodes. Je peux les rappeler ça, diode son. Non, un machin. Bon, faudra rechercher. Enfin, sinon, j'ai la flemme, il faut que j'aille voir dans mes librairies. Comment tu demandes les licences? Comment tu demandes les licences pour quel logiciel, Mike? Alors. Bah ouais, tiens, non, c'est marrant ça, il n'y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y ait de LED. Alors attendez. Et c'est là où on va mourir. Ah, il y a trop de trucs! Non, c'est masque available. Et alors normalement j'ai un truc qui s'appelle Fab, mais c'est. Yes. Use. Ok. Alors ici, j'ai Fab version 2. Ok. Et alors je sais pas si j'ai des LED. LED. Oui, j'ai un 3D. Magnifique. Ça, c'est un truc que j'avais fait par exemple, donc il garde quand même un certain nombre de choses. Alors là, vous pouvez récupérer vos librairies qui sont en local, donc c'est plutôt bien. Voilà, et maintenant j'ai besoin d'une résistor. Ouais. Alors, résisteur. Résisteur, normalement les résisteurs vous les avez en. Ah non, hein. Putain, j'ai eu peur qu'il m'ait fait que des résistances en traversante. C'est drôle ça. D'accord. Bon, écoutez, hop, je vais prendre celle-là. Ça ira très bien. Voilà. Voilà. Donc une chat LED. Et puis, ben, on va router tout ça. Voilà, c'est très bien. Voilà. Clac. Clac. Donc, comme. Voilà. Et il nous manque un petit connecteur 4. Je sais pas ce que je vais prendre. Allez. Ça, c'est vraiment pour. On va prendre leur connecteur là, qu'ils ont fait, qui ont l'air pas mal. Le connecteur coudé, là, il a l'air bien. Là. Clac, on va le mettre ici. Voilà. C'est pas véritablement ça que j'aimerais tester. En fait, le schéma, il... Honnêtement, ça marche bien. Alors, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu avec cette couleur un peu cyan, là. J'imagine que ça va pouvoir se régler quelque part. Ah, bah, attendez. Marque. Non. Tiens, la grille, elle est aussi intéressante ici. Bon, je regarderai plus tard ça. Donc maintenant que vous avez fait votre schéma, que vous êtes content. Salut le futuriste. Salut Audran. Est-ce que l'on peut enfin scroll horizontalement avec Shift? Alors Shift, en fait tu bouges avec le clic molette, tu zoomes avec la molette. Non, en fait c'est les contrôles de fusion, j'ai l'impression. Attendez, je suis sur mon bon clavier, ouais c'est bon. Non. Écoute, je tente des trucs. Non, j'ai pas l'impression.
C'est un peu con, tu dois forcer en traversant un SMS au moment du schéma. Tu fais quoi comme carte? Je fais une carte complètement à la con, c'est juste pour faire des essais en fait. C'est un peu con, tu dois forcer en traversant ou en SMS au moment du schéma. Alors, avant t'étais un peu obligé, maintenant t'es pas obligé si ton package le fait. En gros, voilà, l'idée c'est que tu prends un composant, tu fais clic droit, tu fais... Attendez, parce que... voilà, package, et là tu peux le changer en fait. Et du coup là tu peux dire, bah c'est une résistance. Maintenant, je prends une résistance traversante. Voilà. Ou, merde, je me suis planté, je prends une résistance plus grande, plus petite, tu vois. Avant, tu pouvais pas véritablement... attendez. Ouh là là. Parce qu'avant, tu pouvais pas le faire directement. Ils ont peut-être changé ça entre-temps et je m'en suis pas aperçu. Ce qui est largement possible. Package. Ah, tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire et j'avais juste pas l'habitude de le faire parce qu'en fait, je décidais assez rapidement des composants que je faisais. Ok, mais à coup de pas. Mais c'était pas... hyper clair pour moi du coup. La souris c'est mon Nemesis. Je suis sur trackpad quand je design. Alors moi je suis sur trackpad sur mon Mac et ça se passe très bien en fait. Mais je sais par expérience que les trackpads sous Mac ça marche généralement un peu mieux en termes de gestion que les PC que j'ai pu utiliser. À essayer quoi. Ouais, alors non mais en fait tu vois je l'avais pas Kamikaze, tu vois juste j'ai pas eu l'habitude et on m'avait pas formé comme ça au début, donc en fait par habitude je décidais assez rapidement du package que j'utilisais en fait au final. Le futuriste c'est Eagle ça, et ben en fait c'est Eagle dans Fusion, c'est ça qui est rigolo. Donc maintenant j'ai fait ma carte, on va passer, je suis sur 3D mousse, j'ai un trackball comme souris, Waouh! Ah bah tiens, il y a Restream qui me congratule. You've received 100 messages today with Restream chat. Ah bon? Attends, on est déjà à 100 messages là? Ce n'est pas possible. Ok. Ça me semble quand même beaucoup. Alors, on va maintenant passer au Document PCB. Et, comme d'habitude, oh, tiens, c'est marrant ça. Alors, vous le voyez pas, mais la flèche ici est pas au bon endroit. Attendez, d'où ça vient ça? Ah, voilà, beaucoup mieux. Hop, et donc là, on arrive sur le PCB. Et là, bah, comme d'habitude, on a tout qui s'affiche. Enfin, voilà, pas de changement. A priori, j'ai mon chevelu qui s'affiche aussi. Voilà, clac. Voilà, on peut tout amener dessus, voilà, on est content, tic tic tic. Tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de connecteur de puissance. C'est vraiment très con. Voilà, bon. Hop, donc, comme d'habitude, bon là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui change. On va pouvoir router notre circuit très rapidement. Voilà, c'est un peu à l'arrache. Clac, clac, voilà. La sélection, alors c'est là où... Ah oui! Attendez, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que si je fais ça... Move. D'accord. Est-ce que maintenant, si je fais ça... Move group. Ah oui, ça ne bouge plus le coin. Oui! Parce qu'en fait, avant, il y avait un... Alors, est-ce qu'il l'avait corrigé ça? Parce que du coup, je me suis tellement habitué à pas le faire que je le faisais plus. On va aller ici. Je crois que si on faisait une sélection... et qu'on faisait... Alors, move... Move group... Ah non, ça le faisait déjà plus. Putain, il y avait un bug dans les... Enfin, c'était pas un bug, mais c'était dans les anciennes versions de Eagle. Vous preniez l'outil de sélection, vous faisiez ça. Oh, putain. Vous faisiez ça, et en fait, vous chopiez une fois sur deux le... Ah bah, c'est... Bah voilà. Là, je viens de le faire, le coin. Et donc, du coup, en fait, quand on bougeait tout, quoi. C'est tellement chiant, ça. Bon, là, apparemment, c'est mieux, quoi. C'est corrigé. Ok, allez, zo. Du coup... Oula. Tiens, hop, voilà.
Alors, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on observe? Il y a quand même des boutons qui ont quand même changé de gueule, hein. Ça a quand même bien, bien évolué en termes de graphique. Bon, moi, ça me déplaît pas. Moi, je suis plutôt, plutôt content. Rien d'autre à dire, hein. On retrouve exactement tous les boutons, reséparés, quoi. C'est quand même pas trop mal. Voilà, il y a tout qui est séparé correctement. Bon, moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus clair. Bon, bah voilà, pas de souci. Donc, si jamais je route en manuel, comme d'hab, hein, sous Fusion, on a le bouton, les outils qui apparaissent sur le côté, et puis qui sont cachés une fois que on n'en a plus besoin. Donc, alors, comment ça fonctionne? Clac, clac. Voilà. Je peux passer un traçage. Ah, corner. Radius. Ok. Tic tic, où est-ce qu'on change? D'accord, donc là si je me mets en top, il va me passer sur un via. Ok, bon bah très bien. Et là si je change, qu'est-ce qui se passe? Ça change bien. Par contre, forcément, il veut me garder un via. Bon, si je double-clique, ok, je passe dessus. Je reviens en arrière. D'accord, ok. Ça il veut pas. Clac, bon voilà. Rien à dire quoi. Rien à dire, là ça marche bien. Tiens mon replay pour polygone. Ah c'est pour polygone, ils l'ont retraduit en pour polygone ce truc là. Ça c'est marrant ça. Ok. Parce que c'était quoi leur traduction avant? Oui, non, mais si je suis pas sur le board, c'est forcément ça marche pas. C'était Ratnest, hein, ouais. Ratsnest. D'accord, bon, ok. Soit. Ça a changé. Bon. L'icône est pour le moins le même, je m'en étais même pas aperçu. Donc, plutôt une bonne chose. Voilà, donc j'ai routé ça comme un nulos. Mais ça marche quand même. Ok, alors du coup. On a fait cette carte là, on est content, donc a priori tout ça pour du standard ça marche. Oula, ça n'a pas changé, hein. Pas tout faire améliorer. Alors, quand tu veux, on peut faire des petites vis quand même, des petits trous de vis. Alors ça c'est les... où est-ce qu'ils ont foutu ça? Board shape, perçage, manufacturing. Bon, alors draw, ça c'est pour du document. Attendez, je suis con ou est-ce qu'ils ont été me foutre les pour? Il fait. Bah. Ouais. Ah, all. Oh putain. On va le mettre en haut parce que je vais. Alors, oui, bon, alors là. Hop, voilà. Clac, clac, voilà. Ce qu'on veut juste voir si ça va bien se visualiser. Ok. Oh, attendez, on va faire un petit plan de masse là. Pour tester là, quand même. Hein, il n'est pas des bêtes. Alors par contre, faut ah oui voilà, c'est rip-up. Faut reprendre un peu ses marques. Ça va le faire. Et alors du coup, ici, on va créer un polygone. Un polygone. Ouais, non, on va keep orphans. Voilà. Oula. Non, alors ça, je suis... C'est quelque chose qu'ils ont changé aussi, et j'étais pas trop d'accord avec ça, le fait qu'on puisse pas changer avec clic droit rapidement la manière, le corner style, ça c'était quand même vachement bien. Ok. Ok, bon bah ça marche. Ok, tout va bien pour le moment. Drop the polygon. Ah tiens, bonjour toi. Que fais-tu là? Bon. D'accord. Non. Hop, ok. Et donc maintenant... Ah, attendez, avant ça, ce que j'aime bien aussi, on va regarder le cam preview. Et ça, c'est quand même bien.
pour vérifier que tout va bien. Ouais, ça marche. Ça, c'était ce qu'ils avaient intégré déjà dans les nouvelles fonctionnalités d'Eagle il y a quelques versions. Moi, j'aimais bien ça. C'est plutôt bien. C'est aussi là-dessus qu'on peut changer la couleur du substrat. Non. Alors, attendez, c'est Solder Mask. Voilà. Et donc, on va faire une carte... Allez, cyan. C'est dégueulasse. Non, on va pas faire ça. Infâme, sûr. Je sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a produit une carte comme ça. Non, orange, on a des caribous. Allez-y. Oh, ah, c'est mignon. C'est dommage qu'ils proposent pas du orange chez JLC. Test l'autorouteur. Ah non. T'as pas les connecteurs d'arrivée d'alimentation. Non, j'ai fait ça. Je m'en suis rendu compte que j'avais pas mis ça. Bon, c'est pas grave. J'en refais un rip-up. Où ça pique sur... Ah ouais, Sion, c'est dégueulasse. Franchement, Sion, c'est... Ah ça a touché ma fibre artistique, là, d'un coup, là. Bon. Ouais, bon, après, tout le reste, ça a l'air bien. Allez, zou. Et maintenant... Parce que c'était ça qui avait pas marché la dernière fois, c'était le passage en 3D. Et là, ferme les yeux. On passe en 3D. Et normalement, il génère une pièce en 3D dans Fusion. Et... En théorie... Wouh! Alors, est-ce que ça a marché? Ah ouais, alors à mon avis, il y a un problème. Il y a encore un souci. Merde. Putain, ça a marché sur mon Mac il y a deux jours. Putain, c'est fou ça. Il n'y en a aucun qui est aligné. Pourtant, c'est relativement bien aligné. Hein. Ah, c'est con. Bon, ça marche presque. Ça marche déjà mieux que la semaine dernière. Audran peut m'en être témoin, où j'ai essayé de faire une carte ronde. Eh, on n'a pas essayé de faire une carte ronde, on va essayer de faire une carte ronde. J'ai essayé de faire une carte ronde et genre ça a marché, mais alors pas du tout. C'était une catastrophe. Alors, se réhabituer un petit peu à l'interface. Board shape, outline. Ah, c'est vachement bien centré, j'adore. Voilà. En même temps, je sais pas pourquoi je me... Voilà, et j'avais fait des cercles dedans. Genre, je sais pas. Et il y avait la moitié des cercles qui se mettaient mal, c'était une catastrophe. Alors, est-ce qu'on va voir est-ce que ça marche? Putain, ça marche pas. Ce qui est fou. Ce qui est fou quand même, c'est que j'ai essayé avant le live et j'ai fait ah tiens, ça marche. Et j'ai essayé sous mic, je fais ah mais c'est cool, ça marche. Bon, du coup, c'est vachement bien. Et en fait, non. Voilà. Ah putain. Ça, c'est vraiment très con ça. Alors, attendez, ce qui est dingue quand même, c'est que j'en ai réouvert un. Ah voilà. Je suis pas fou, j'ai refait mon schéma de pompe pour voir un peu ce que ça donnait. Et voilà. Ça, c'est un truc que j'ai fait sur mon Mac. Donc la version Mac ne plante pas, mais la version PC a un sérieux problème. Ça, c'est un truc que j'ai fait sur mon Mac. Et vous voyez, les résistances et les LED, c'est exactement les mêmes packages que j'ai utilisés là. Du coup, il n'y a pas de raison. Et tout le reste, c'est les packages que j'ai fait moi. Bon, à part ces deux-là que j'ai pas repris. Et là, putain, mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas. C'est complètement fou, ça. Donc, il y a encore des problèmes. Voilà, il y a encore des problèmes. C'est le passage à la 3D qui ne marche pas super. Mais alors, je ne me l'explique pas. Si je... Attendez. Info. Voilà. Position, Wins, Radius... On va passer en 600. On va le modifier en fait. Volontairement pour. Oh. C'est rigolo ça. Ça donnerait presque envie d'en faire une carte comme ça. Je sauvegarde. Non, je vais pas sauvegarder. Je passe ici. Putain, c'est complètement dingue. Bon, il y a quand même un sacré problème avec leur génération de 3D en fait. Bon bah c'est pas grave. Ils avaient besoin de faire des modifs. Bon bah écoutez, ça marche avec des cartes carrées en tout cas.
Ah oui, non! Non, non, c'était ça qui était drôle! Ah oui, je me souviens maintenant. Attendez. Parce que, quand même, on se marrait. Ça marche. Avec des splines. Spline, t'as le droit qu'à 3 machins. Mais bon, 3 points de contrôle, mais pourquoi pas. Mais oui, ça fonctionne. Février n'est pas fini, les amis. Février n'est pas fini. Non, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça fonctionne pas sur le 3D. Je ne comprends pas ça. En fait, c'est assez étrange. Je vais vous montrer un autre truc que j'ai découvert, qui est assez rigolo aussi. Voilà, et là, ça marche. Par contre, tout le reste est pété. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de... Ah oui, mais j'ai pas mon Mac sur moi. Merde. Parce que j'aurais bien essayé avec une autre version. Bon, alors. Ce qui est quand même très drôle, c'est que... Ah, qu'est-ce que ça ? Ça, c'est rigolo, ça. Ah, non, c'est... Alors, attendez, on supprime ça. On supprime ça. Voilà, si je fais ça, que je régénère la borne, ok, et que je le push, voilà, et là ça marche. Donc ça veut dire que je peux faire un sketch dans Fusion et l'envoyer sur le design électronique, mais l'inverse pète. Et ça ne me fait ça que sur mon PC fixe. Et j'ai essayé sur un autre PC sous Windows au bureau, et là, aucun problème. Patching février. Ah ouais, bah il va falloir, hein. Il va falloir. C'est assez dingue. Et alors par contre, qu'est-ce que ça fait? Parce que là, on est d'accord, j'ai un demi-cercle, l'entité. L'entité est un demi-cercle. Donc, si je vais là, qu'est-ce qui m'affiche? Putain, ah ouais, c'est fou, quoi. C'est assez fou, hein. Ok, on va fermer ça. On s'en a pas besoin. Je suis assez deg parce que du coup, cette carte-là, elle a fonctionné, quoi. Et on va créer une forme à la con. Voilà. De carte. On va faire un 3D PCB avec ça. Ok. On va l'enregistrer dans... Test live électronique. Voilà. Et là, on va lui dire View 3D PCB. Comment est-ce que je peux le lier avec un... Ah. C'est quoi la différence entre View 3D PCB et View 3D PCB with Canvas? Ouais, il m'affiche le canvas, quoi. Merci. Putain, il m'a foutu mon connecteur. Ah bah c'est de pire en pire. Ça n'a aucun sens. Link to the PCB. Ça n'a aucun sens. Alors si je fais remove 3D PCB. Alors par contre, comment est-ce que je fais pour passer de ça? Ah, link to the DPCB. Ok, c'est bon, j'ai pigé. Donc, là, on va remove. Il y a un cercle complet mais décalé vers le haut, genre il coupe. Ah, j'ai essayé, ça marche, ça me fait exactement la même chose. En fait, j'ai exactement le même problème que la première fois que j'ai testé. J'ai essayé dans le coin, en haut à droite, en haut à gauche, à z égale 0, dans la partie positive, dans la partie négative, enfin dans les 3, dans les 4 cardans. Et en fait, systématiquement, ça me fait exactement la même merde. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Le plus incompréhensible, c'est qu'au début, vous vous souvenez, j'avais le canevas et ça marchait bien. Je suis sûr que là, si je reviens sur un truc carré, eh ben j'aurais plus le canevas en fait. Ça l'a pété une fois pour toutes, quoi, en fait. C'est complètement dingue. Du coup, ça, je don't save. Ok. PCB test live. Voilà. Et du coup, là, je vais le link à PCB test live. Ah, attention. Voilà. Et là, je le push. No link. Bah non.
Oui, select. Ah, voilà. Yes. Yes. Et du coup, là, il l'a pris. Et donc là, si je pars dans de l'autre côté, là, ça a marché. Ok. Ah bah non, ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, les personnages non plus sont pas bons, là. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que ce qui vient de Fusion... Ah, bonjour, toi. Ah, je suis pas bien. J'ai l'impression que ce qui vient de Fusion est pas... C'est pas foufou. Parce que là... Allez, je reviens sur un... Sur un truc standard, là. Boum. Voilà. On y retourne. Est-ce que ça va le faire? Ah voilà. Et du coup, là, c'est pété. Alors que ça marchait avant. Hein. Voilà. Donc, du coup, tout n'est pas résolu encore. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, on va faire un truc. On va aller voir sur blog Autodesk Eagle. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, il s'auto-congratulait que c'était vraiment cool. Ce que j'entends. Néanmoins, ça ne marche pas des masses là pour l'instant. Autodesk, Eagle, Fiction, Subscribe. Ah bah non, Subscribe. Voilà. T'as un. Merci. Ah oui, non. Ah oui. Fusion, Eagle. Bon, tout va bien. Je veux. Le support. Non, je veux pas le support. J'aimerais avoir le blog, avoir le blog. Allez, on va aller chez Autodesk directement, peut-être. Putain, y a pas un blog. Je suis pas fou, à chaque fois il me renvoie là-dessus. Buying, support, Autodesk. Update and service pack. Ah, update and service pack. Oh, pas ça. Oh là là là, pas ça du tout. Attendez. Ah oui, je sais où je vais le retrouver, là-dessus. Alors, show learning panel about. Tiens d'ailleurs, ce serait bien de regarder un petit peu s'ils n'ont pas une nouvelle version qui est arrivée. Click setup, community, community. Ah voilà, blog, merci. Ah, il y avait la roadmap. Attendez, allons voir la roadmap. Community, roadmap. Wow. Je sais pas si vous entendez, mais ouais, c'est le vent, ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Les amis, mon. Attendez, je sais pas comment vous montrer, mais. Ah bah non, je suis con. Attendez. Bon, donc, on va tout tourner. Là, j'ai des deux vitres là. Elles ont bougé, mais c'était foufou, hein. Hein, on a pris le vent en plein dans la gueule là. C'est assez impressionnant quand même. Sortons de l'éolienne. C'est quoi ta musique là? Alors, regarde juste en dessous de l'écran là. Ouh, attendez, attends. Bah, alors, soit là, là, attends, là, regarde, il y a Mantin Musdawa. Voilà. Il y a des trucs qui volent dans la rue à mon avis. Y a un petit postillon sur ta cam. Ouais, je sais, c'est un défaut. Défaut sur la lentille. Et tu l'as aussi en dessous. Voilà, tout en dessous là. Non mais la lumière c'est le vent en fait. Ah d'accord, ok. Bon, voilà. T'as comment ils m'ont trollé là. Alors attendez. Ah bah super, la roadmap c'est le blog.
Ah non. Ah oui, mais alors. Non, ok, d'accord. Alors, blog, qu'est-ce qu'ils disent? Fusion Team Update, Unpacking, January Product Update, Generative Design. Ouais. What's new? Oui, donc c'est sorti hein? Ah, il y a 2 semaines, donc en fait j'étais pas trop dans les choux quoi. Donc c'est nouveau, c'est d'il y a 2 semaines, donc il va y avoir des soucis, c'est sûr. Putain, mais comment il arrive à faire ça? Moi j'arrive pas à faire ça. Non mais j'ai déjà vu ça. Ouais bah merci hein. Moi je fais ça Le truc il se coupe en deux quoi. Bon, et la roadmap? October, non mais sérieux, ils ont rien mis de core générative. Ouais, ça je l'avais lu aussi. Oui, ils ont modifié un petit peu l'outil de cheat metal qui est vachement bien. Putain. Proof to library, tout ça c'est du CAM. Bon, je n'ai pas encore trop fait, donc ça m'intéresse moins. Ça on s'en fout aussi. Ça c'est du narrative design. Enfin, il parle pas du tout de l'intégration d'Eagle, c'est vraiment hyper récent. Est-ce que. Alors, vous savez quoi? Il y a un truc qui va vraiment me faire du mal, et je vais vraiment avoir du mal à m'y faire. C'est que là j'ai le bouton Eagle et le bouton. Fusion dans mon dans ma barre de tâches et instinctivement quand je vais vouloir faire une carte je vais cliquer sur Eagle. Je vais avoir du mal à avoir ça. Alors il n'y a pas un get support. Get support j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a? Et pas dernier. Ah mais je suis con, j'aurais dû aller sur le forum. Forum, alors on y a accès depuis ici. Allez, forum, qu'est-ce qu'ils disent sur le forum? J'y ai été une fois sur le forum, je crois. Ah oui, il y a un truc qui va être chiant, c'est que avant Eagle était disponible sous Linux, enfin toujours disponible sur Linux en soi. Le problème, c'est que Fusion n'est pas disponible sur Linux. Voilà. Alors, Fusion 360 Electronics, hey, oula. Alors, how to work with. Alors, ça, c'est les trucs qui sont pinés. Library system not understood. How to save. How to enable electronic calling. Electronic simulation. Proper way to close electronic. Alors, est-ce que vous voyez un truc? Fusion load the wrong model when opening a project. Ça c'est con ça. J'ai pas grand chose. Il y a un truc là qui me semble un peu étrange. Ça c'est un vieux poste ça normalement. Soit on s'en bat les couilles. J'ai été trop vite. On est bien avec ça, on tourne sous Arch Linux. Moi, ce qui m'inquiète le plus, quand même, faut que je vous le dise, faut que je vous parle. Ce qui m'obsède quand même avec cette tempête, c'est que j'ai un putain de sapin qui fait dans les bien 15 mètres de haut, qui se situe à peu près là. Voilà. Et ben j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ben, c'est moi qui vous le dis. Alors, welcome, on est content.
Tiens, ça c'est intéressant ça. Ouais. Créa 3D PCB, ok. Push to. Voilà. Edit board. Edit board? What? Pas du tout ça que je faisais moi. Oh putain. Ah oui, non. Ah oui. Merci beaucoup. Edit board. Bah oui, non, mais ok. Ok, d'accord. C'est juste ça. Ça va vraiment à quelque chose. Bon, ça, on l'a fait, hein. Ça, on s'en fout, ça. Edit sketch, edit profil sketch. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui est quand même assez frustrant, encore. C'est que bon, mettons, ça marche pas, soit. Mais je fais ça. Ok. Je l'ai coté. Finish. Ok. Voilà. Il est encore là. Ok. Je le sauvegarde. Très bien. Voilà, tout va bien. Ça y est encore. Ça y est encore. Dans tous les cas, on s'y attend déjà à l'arrêt du support Linux. Ah ouais, mais moi ça me fait chier parce que j'attendais plutôt l'inverse, tu vois, qu'il passe Fusion sous Linux et qu'enfin moi je fasse wouhou, je passe sous Linux, trop bien. Voilà, en fait, bah non. Ça fait chier. Alors après, je les remercie quand même parce que Fusion c'est quand même le seul logiciel à peu près potable de CAO qui tourne sous Apple. Hein. Voilà, donc, parce que Katia et SolidWorks, bah non merci. Hein. Et d'autres d'ailleurs, non merci. C'est juste, c'est zéro quoi. Donc j'ai coté. Et alors, je sauvegarde. J'ai sauvegardé. Voilà. Non, je ne peux pas sauvegarder du tout. Voilà. Là, je vais ici. Et je fais hey, vieux 3D PCB. Là, il revient. Et est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Ok. Ah, oh. Toum, 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 toum. Je n'avais pas vu qu'il n'avait pas. Bien contre ça. Comment ça, je peux pas... Ah oui, merci. Toum, 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 toum. Voilà. Ah, alors, The 2D, entre tout ça qu'on est, une chose de... Yes. Bien sûr. Bien sûr, vas-y, je synchronise, je push, ça arrive là, voilà, je sauvegarde. Ah mais les gars, j'ai rien changé, on va se calmer quoi. Je sauvegarde, là ça y est encore, il y a un moment où ça va disparaître. Voilà, je push, ok, c'est arrivé ici, je reviens en arrière, enfin je reviens de l'autre côté. Et là, ouh, il a rechangé des trucs. Il m'a pété mon sketch. Voilà. Alors avant, il m'avait pas supprimé que la moitié. Il m'avait tout supprimé carrément. J'ai plus aucune cote, aucun truc quoi. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que là, je fais finish, push et puis voilà. Remarquez la vitesse, parce que quand même, c'est plus rapide qu'avant. Ça fait de la merde, mais plus rapidement. Voilà. Chez madame. Toujours des mecs qui feront un paquet pour. Oui, certes. FreeCAD ça marche sous Linux. Oui, mais non. Alors FreeCAD, moi je suis désolé, mais c'est. Enfin, c'est pas possible quoi. Voilà. Moi je suis si demain FreeCAD pouvait faire ce que fait un Fusion, un SolidWorks ou ok hein, on a même essayé de regarder avec Monsieur Bidouille comment on pouvait filer un coup de main à FreeCAD pour que ça avance quoi, mais juste en fait ils sont pas beaucoup puis ils sont pas partis dans cette direction là quoi, et leur truc il est lourd donc désolé hein. Le Super Nintendo n'était pas annoncé à la base, bah non, du coup j'ai cru en fait. C'était. Genre avant, et puis après ils ont dit en fait c'est trop compliqué et pas rentable. Bah merde, si c'est ça, c'est vraiment dommage. FreeCAD devrait être banni, bah non, là non,
je peux pas parce que c'est une des rares solutions open source quand même dans la CAO qui essaye de faire quelque chose. Donc voilà, il y a des gens qui l'utilisent, qui arrivent à faire des trucs avec. Enfin voilà, c'est très bien. Donc, il faut que ça existe. En fait, il faut que ça existe pour éviter que demain il n'y ait plus rien d'autre qui existe, parce que faire un logiciel de CAO c'est compliqué. Si demain tu tues un projet comme FreeCAD, autant dire qu'on a abandonné et jeter un truc. C'est juste que tu vois pas trop comment les aider, quoi. En fait, on avait regardé la roadmap, hein, je vous dis, avec Monsieur Bidou, il avait été regardé comment on pouvait supporter le truc, même voir si le réseau français des Fab Labs pouvait pas, on pouvait pas investir au niveau des Fab Labs un petit truc pour dire, ouais, on file un peu de thunes, je sais pas, un pourcentage pour faire enfin un logiciel de CAO qui a de la gueule, mais en fait, c'est tellement gros. T'as tellement besoin de ressources, d'humains, pour faire un truc pareil que ça en est un peu désespérant, quoi. Mec Katia Gratagan. Ah, alors là, je ferai pas de t-shirt. Hein. Bah ouais, peut-être que tu connais des pros qui tournent avec, mais... moi j'ai essayé, hein. Honnêtement, je dis pas c'est de la merde et puis j'ai pas essayé et tant pis et voilà. Et non, j'ai vraiment essayé parce qu'en fait avec le... Ouh, putain, il y a des trucs incroyables qui se passent. Bon, on a fait un sapin. J'ai vraiment essayé pour tester, pour me dire, voilà, est-ce que ça peut être une alternative? Est-ce que je peux l'enseigner auprès de personnes dans un Fab Lab? Putain, il fait vraiment de la merde. Dans un Fab Lab, est-ce que je peux l'utiliser, quoi? Et non, même avec des gens qui commencent, c'est pas clair, ça marche pas comme ils pensent que ça pourrait marcher. Ça plante aussi. Revenir en arrière, c'était une peinée. Alors je sais pas si ça a été changé, mais c'était vraiment compliqué, quoi. En fait, en gros, c'est soit tu arrives à faire ta pièce d'un coup et ça marche, mais revenir en arrière, retravailler les trucs, etc., avec une logique qui est tellement différente de tout ce qu'on peut avoir sur d'autres logiciels de CAO. Par exemple, pourquoi les gars qui font du SolidWorks aiment bien Fusion aussi? C'est parce qu'ils s'y retrouvent assez rapidement, en fait. Et pourquoi les gens arrivent aussi bien à passer de l'un à l'autre? C'est que tu retrouves une philosophie qui est quand même relativement proche. Alors Katia, c'est un peu particulier, mais même Onshape, par exemple. Passe un Onshape à un mec qui fait du Fusion ou du SolidWorks, il va pas être paumé. T'as passe FreeCAD à quelqu'un qui fait ça, c'est tout. Et après, ça vient aussi du fait que les gars qui ont développé FreeCAD à la base, de ce que je comprends, c'est pas des gens qui étaient vraiment des utilisateurs de ce genre de logiciel de CAO, en fait. Ils utilisaient d'autres types de logiciels, mais pas ce genre de logiciel de CAO, et ça rend l'ensemble un peu complexe. Et le choix de leur base logicielle, il est fait de telle sorte que c'est un peu complexe de mettre en œuvre ce genre d'outil au final. Honnêtement, OpenSCAD, oui, il fait pas d'assemblage, quoi. Vous avez déjà essayé Katia V6? Je préférais la V5 en tant qu'étudiant. Katia, j'ai abandonné, hein, honnêtement. Faudrait qu'Autodesk open source le cœur de Fusion pour que la communauté puisse porter l'interface graphique, le reste devrait être relativement simple à faire suivre par Autodesk. Non mais vous rêvez, hein. C'est Autodesk, hein, les gars. C'est... Non mais voilà, je veux dire... c'est pas le genre de société qui va rendre open source un truc, quoi. C'est... Je pense que là, à mon avis, on a plus d'espoir qu'ils portent le tout sous Linux, eux-mêmes, qu'ils le rendent open source. Ah oui, t'as bien fait de dire que c'était pas réaliste. Mais je suis d'accord, oui, pourquoi pas. Mais ça se fera pas, c'est sûr. C'est sûr, c'est triste, d'ailleurs. OpenSCAD plus assemblage plus espoir. En fait, c'est... Comment?
c'est FreeCAD avec une interface graphique au final. Parce que de mémoire, attends, je dis peut-être une connerie, mais FreeCAD, la base, il n'y a pas un peu de ce... Attendez. C'est OpenCascade, c'est ça. C'est basé sur OpenCascade. Le problème, c'est que OpenCascade, quand même, c'est... C'est lourd, hein. C'est extrêmement lourd comme outil. Je sais même pas si c'est encore maintenu, ça. Ah si, 1er octobre 2019. Tu utilises dans quoi? Je crois que j'avais déjà regardé. Mercad, FreeCAD, ok d'accord. Xcad, ouais. Oh putain, c'est tout. Bah oui, parce que j'imagine que les autres... Tiens, tiens. Bonjour. Oh, putain, en tant que filiale de ADS. Mon Dieu. Voilà, faudrait que je me renseigne un petit peu. Ouais, mais en fait, à chaque fois, je me fais avoir entre OpenCascade et OpenScan, en fait. À chaque fois, j'ai mon cerveau qui bloque. Désolé. Vu que tu n'as pas vu mon message, mais sérieusement, tu nous fais des t-shirts, mec. Eagle Grating. En fait, je sais pas si je vous fais des t-shirts à tous, parce que c'est quand même un budget, hein, ou je les vends, ou je les insérerai sur nos t-shirts, à la limite. Mais je l'insérerai que si ils ne font pas d'effort à corriger ces bugs-là sur Eagle. Ce que je doute, du coup. Mais si vraiment je me plante, voilà, ok, j'intégrerai ça sur nos t-shirts de la coupe. Je veux bien investir. FreeCAD a intégré un module OpenScan. Ah, d'accord, c'est ça. Ok, d'accord. Fusion est déjà beaucoup trop rapide à ouvrir pour un outil Autodesk, donc on sait jamais, on peut rêver. Tiens, d'ailleurs, j'ai commandé les stickers de la grotte du barbu là, avec le cerveau. C'était assez drôle. Bon. Soit. Bah écoutez, juste quand même, si jamais vous avez besoin de passer à Eagle et que vous voulez réouvrir un schéma et un circuit, y a quand même 2-3 règles que j'ai compris un peu plus tardivement. Il faut faire un electronic design, donc on va pas sauvegarder ce truc là. Voilà. En gros, il n'y a pas de liaison directe qui est fait entre un schéma et un PCB. En gros, c'est deux fichiers qui sont presque séparés. Et du coup, il va falloir les rassembler dans un electronic design. Donc on va créer ça et puis on va cliquer sur le bouton qu'il y a ici et aller le choper. Alors soit là où vous l'avez mis dans un dossier Fusion, soit aller le chercher directement sur votre PC. Voilà, et vous allez revenir ici, puis vous allez faire la même chose avec votre PCB. Voilà. Même nom, hop, il va... Reviens, toi. Il va apparaître ici, poète. Voilà. Vous le sauvegardez. D'accord. J'aime quand les raccourcis clavier m'aident. Ah, bon, ok. Pas de raccourci clavier. Ok, donc là, on va mettre PCB. Pump LED. Voilà, là, boum, il sauvegarde tout. Et en fait, en théorie, les trucs sont liés maintenant. Donc, ça veut dire que quand vous faites switch, hop, il ouvre le truc. Si jamais on vient rajouter un... peut-être pas ça. Je mets de la merde, voilà, ça. Et qu'on switch, voilà, il apparaît ici, tout va bien. Parce que si vous faites pas ça, dans un electronic design, ça ne marchera pas. Voilà, il est revenu en arrière, super. Et du coup, sauvegarder cette partie là vous sauvegarde l'ensemble. Et alors, en théorie, je me demande si d'ailleurs
si je fais ça normalement. Parce que c'est exactement ça que j'avais fait sur mon Mac et qui avait fonctionné. Putain, là ça marche pas, c'est fou. Genre, je l'avais retrouvé ma carte. J'avais retrouvé ma carte, nickel. Et là, que dalle, ça ne marche plus. Et alors, ce qui me rend dingue, c'est que je suis sûr que je vais monter, choper mon Mac, le lancer, et ça va se générer correctement. C'est très étrange. Hop! Bon. Ceci dit, c'est pas grave. Par contre, il n'y a pas. Le contrôle S fonctionne pas sur cette page-là. C'est fou ça! Bon, soit. Et pourquoi pas Kikad? Salut Super Marron. Kikad est bien. Kikad est open source. Vous pouvez utiliser Kikad, c'est très bien. Juste en fait. Voilà, Eagle, parce que l'habitude d'Eagle, parce que maintenant intégré à Fusion, parce que du coup on utilise Fusion, donc ça veut dire que quand ça sera réparé, et bah du coup on pourra refaire des trucs comme ça de manière très très simple et très rapide. Voilà, donc sans problème, avec une liaison directe, ça sera quand même vraiment cool. Pourquoi? Parce que bah, possibilité de travailler ensemble sur un même fichier, le versionning, le fait que demain je veux travailler au lab sur une autre bécane, et ben j'ai pas besoin d'avoir mes fichiers sur une clé USB, je me connecte, je les ai. Voilà, j'ai pas de problème de ça. Ah oui! Parce que quand même, il y a un truc qui est vachement bien, qui me faisait vraiment chier jusqu'à maintenant, c'est que autant sous Fusion on avait résolu ce problème du coup de se dire est-ce que j'ai la bonne version quand on a plusieurs PC, quand on a plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet, est-ce qu'on travaille sur la même version, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a changé quelque chose, qui est en train de travailler sur une version plus récente, enfin bref, tous les problèmes liés au versionning des fichiers qu'on pourrait avoir sur du code, mais que si on utilise un système à base de Git, on n'a plus sur du code, et ben là, en fait, avec Fusion, on ne l'avait plus, parce que tout le monde était intégré au projet, et tout le monde avait les dernières mises à jour, et si jamais il y avait un problème, et quelqu'un faisait de la merde, et ben hop, on chopait la version, on revenait sur les versions précédentes, et on revenait à une version saine, voilà. Donc, ça c'était quand même vachement bien, truc qu'on n'avait pas du tout sous Eagle, et puis bah là, du coup, le fait que ça arrive ici, ça veut dire que, voilà, j'ai des versions. J'ai une version 4, voilà, une version 3, une version 2, je sais à quel moment ça a été créé, je peux revenir en arrière, qui l'a modifié, voilà, donc... Et je vais retrouver tous mes trucs de PC à PC, donc vraiment pour ça moi je dis oui, voilà, mais c'est pas open source, et c'est vrai que Kikad pour le coup est ultra performant, ultra puissant, et fait très bien le café, voilà, c'est, moi j'ai aucun problème avec d'autres logiciels, pas vendeur de tapis du tout, honnêtement. Donc si vous voulez bosser sur Kikad, aucun problème, aucun souci, mais voilà, c'est un choix dont on assume les conséquences. Voilà, et aujourd'hui les conséquences sont un peu pourries, donc mais bon, c'est tout, hop, je pense que ça va s'améliorer, j'espère. Bon, alors, bref. Écoutez, je pense qu'on... Tu as testé le capteur de courant avec tes pompes, au fait. Oui, tout à fait. Et en fait, je me suis complètement merdé dans le routing, dans le routage. J'ai fait de la merde. Et j'ai pas encore corrigé, du coup, sur mes cartes proto pour corriger ça. En fait, j'ai pas encore fait mon routage dessus. Donc, mon premier essai, ça a été « ça marche pas ». Et comme après, j'ai eu d'autres trucs à faire, je suis pas revenu dessus. Donc, pour l'instant, c'est resté un peu en suspens. Et en fait, je voulais reprendre ce travail-là. Quand ils ont changé la version de Eagle, donc la semaine dernière, et donc pour l'instant je le laisse un peu de côté le temps qu'ils corrigent toute leur merde, et je le reprendrai une fois que ce sera fini. Néanmoins,
les cartes qui tournent sur notre robot là actuellement, ce sont les cartes avec les capteurs de courant, sauf que le capteur de courant est pas soudé, parce que du coup il marche pas. J'ai quand même essayé de mesurer le courant avec notre avec comment dire différentes pompes, différentes cartes, etc., différentes alimes, et j'ai toujours une augmentation de 150 milliampères systématiquement quand j'ai une prise de gobelet. Donc voilà, après savoir si mon montage fonctionnera ou pas, on verra bien quoi. Juste voilà, pas eu le temps de le faire tout simplement. Donc je vais faire un hacking de cartes là un peu à la Audran là pour corriger ça, et puis si je valide ça et que ça fonctionne, je relancerai une prod. Bon, après, voilà, ça arrive en même temps que les cartes sont bloquées en Chine parce que coronavirus, parce que moi malade, moi pas le temps. Bref, c'était un peu la merde. Si tu as un début de résultat de ton côté, tant mieux. Bah, début de résultat, disons que j'ai pas plus avancé que ça. En fait, les résultats que j'avais au début, pour l'instant, ils se valident, ils sont plutôt répétables. C'est-à-dire que c'est sur plusieurs pompes de différents fournisseurs, mais avec la même référence. Et je vois toujours cette élévation de courant qui n'est pas un pic et qui est bien constant. C'est-à-dire que j'ai bien 150 milliampères de plus. Je suis à 400, je passe à 550. Et ça reste à 550 tant que le gobelet est pris dedans. Donc, bon, voilà, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. J'utilise JLC PCB, nous aussi les PCB sont bloqués, et oui, j'utilise entre autres JLC PCB, ou SITS PCB aussi, PCB Way. De toute façon, tous les fournisseurs chinois sont plus ou moins bloqués, que ce soit en fabrication ou en livraison, en fait, donc voilà. J'ai pas plus de nouvelles que ça à vous donner. C'est quoi la référence de tes pompes? Celle-là, c'est des ASIC. C'est des bonnes pompes. C'est plutôt des chaussures pour faire du tennis, quoi. Mais c'est des bonnes pompes. Voilà. Non. Alors c'est quoi la référence de mes pompes? Je sais jamais les retrouver en fait. En gros, tu tapes mini pump 370, tu vas les trouver. Voilà, je vais les trouver rapidement. Voilà, ce genre de truc là. Je dis ce genre parce qu'en fait c'est quasiment tous les mêmes. Mais attends. Voilà. Alors. En fait, c'est un modèle. Il y a plusieurs modèles, mais en général, c'est le modèle voilà, où tu as les deux trucs qui sont opposés, en fait, comme ça. Voilà. Je vais refaire un essai quand même pour être sûr de mon côté. Par contre, les capteurs de pression, ça marche bien. Ouais. Ah oui, les capteurs de pression, c'est plutôt standard. Standard, mais je sais plus qu'est-ce qui me... Ah bah si, c'est Area, ils étaient partis sur les capteurs de pression, finalement ils ont un peu abandonné parce qu'ils ont 8 pompes, je sais plus, un peu plus. PS, on voit pas ton écran. Ah merde, voilà, c'est ce genre de truc là. Voilà, je dis ce genre, voilà, parce que c'est une des pompes qui ressemble à ça, quoi. Moi, à chaque fois que je vais en chercher une, je tape mini pompe 370, voilà. Et il y a une, donc c'est l'entrée, l'aspiration, elle est ici. Voilà. Je cherche l'autre pompe. Voilà. 8 capteurs, ça fait trop pour eux. Bah, en fait, surtout, ça fait trop cher, je crois. Parce qu'ils ont choisi, ils avaient choisi un capteur de pression un peu particulier. Et quand ils ont fait les comptes, ils ont dit bon, bah non, du coup. Voilà. Merde, il recommence à pleuvoir, là. C'était calmé. Alors, là, déluge complètement. Tu sais où en avoir en dehors de la Chine?
C'est une grande question. Je crois que j'en avais trouvé sur. Alors attendez. Je crois que sur Amazon j'en ai trouvé, mais où est-ce qu'elle venait? De où elle venait? Ah, c'est du Prime là, regarde. Ah oui, mais non, c'est pas celle-là. Ça, c'est juste sa pompe. Pompe à vide. Voilà. Par contre. Blah! 11 balles. Donc. Voilà. Quand même un peu plus cher. Le problème, c'est que. Alors là, c'est 12 volts, faut faire attention. En fonction de ce que vous avez besoin. On parle de 6 volts. Je sais pas si je mets. Pompe. Elles sont plus chiantes à trouver chez Amazon. J'essayais comme ça, mais. Ah, ils ont changé leur ref. Mais alors. Alors, tu vois, typiquement ça. Ça pue la Chine. Enfin, ça pue la Chine. Ok. Tant pour moi, ça sonnait pas aussi sale dans ma tête. À mon avis, c'est Johnson, c'est. Je sais pas si en Prime. Non, mais on va retomber sur les trucs comme ça. Ouais. Non, à part là. Ah, mais attendez, il y avait. Attendez, si. Robot Maker, je crois qu'ils avaient essayé d'en sourcer. Et ils en ont peut-être maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez eux. Boutique. Pompe. Pompe. Pompe à dessouder. Non, pompe. 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 Ah non. Bon, moi j'ai rien dit. Alors peut-être que j'ai mal cherché. Composants et accessoires de robotique, moteur et actionneur. Pendant un moment, je leur avais envoyé pas mal de références pour qu'ils puissent se sourcer, en avoir un petit stock en France au cas où. Ça et puis des ventouses, mais je pense que soit c'est victime de leur succès, soit ils ont pas pu le faire. Composants et accessoires de robotique peut-être. Non, nine. Ah bah oui, Mike, je suis bête. Suis-je te bête? Sais, moi, il me faut les images. Sinon, j'arrive pas à me repérer. Donc, t'en as pas encore. Du coup, ah bah voilà, il en a un peu en stock, donc si jamais vous êtes en rade, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Ah merde, mais pas en vente. Bon bah, tant pis. Tant pis. Mais non, mais le problème c'est que. Enfin, ouais, comparé, hein. 2,75€ et puis là, quasiment 11 balles, quoi. Forcément, oui. Tu veux bien nous emprunter ou en. Merde, c'est devenu le stream de la vente, quoi. Bon, allez-vous. Écoutez, mesdames, messieurs, oh, dans la semaine, les fiches produits vont être faites. Ah bah, j'ai bien fait d'en parler, tiens. Écoutez, mesdames, messieurs, je commence à fatiguer parce que effectivement, en sortie d'une grippe, je suis pas complètement en forme. Bon, c'est pas grave. C'était un petit stream rigolo où on a pu tester un petit peu Fusion Eagle bordel mis ensemble, mais qui est plutôt voilà, qui est plutôt dans le bon sens. On verra bien comment ça évolue.
La semaine prochaine, il n'y aura pas de stream, ça c'est sûr et certain. Dimanche prochain, ça sera décalé soit à lundi prochain, soit à mardi prochain. Je pourrais vous le dire directement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, @barbatronic, à me suivre sur YouTube, @barbatronic également, et pareil sur Twitch. Voilà, j'ai encore le logo Facebook, mais en fait, honnêtement, je n'y vais plus, donc voilà, j'ai vraiment plus du tout un réseau qui m'intéresse, et j'ai vraiment du mal à poster, à mettre des choses dessus, donc si vous voulez me contacter, vraiment, Twitter, YouTube et Twitch, voilà, ça marche très très bien. Merci de m'avoir suivi. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à très bientôt sur la chaîne Barbatronic. Salut à tous !